Debbie, Debbie, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? C'est juste un rêve. Ah, mon Dieu. Pourquoi encore? S'il te plaît, sois calme, ok? Ne te dérange pas, tu peux rentrer dormir. Ça va passer. On va penser à ça le matin. Ok. Retourne dormir, ok? Oh, mon Dieu. Tu es si magnifique. Merci. J'aurais aimé qu'on nous envoie au même endroit. Parce que tu vas vraiment me manquer. Tu vas aussi me manquer. Oh, merci d'être mon amie. Je t'en prie. Allons, Debbie. Ne me fais pas pleurer. T'inquiète, nous allons parler ensemble prochainement. Ok, hein. Écoute, tu dois maintenant partir, sinon... tu risquerais d'être en retard, tu vois. Je sais, mais s'il te plaît, prends soin de toi, ok? D'accord, moi aussi je dois partir. Je t'appellerai. S'il te plaît, fais attention. Je le ferai. Hein? Prends soin de toi. Neka! Où est cette fille? Neka! Maman, bon après-midi. Bon après-midi, ma fille. Comment tu vas? Très bien, maman. Elle est sortie. Je pense que tout va bien. Ah, maman, tout va bien. Oh, ton amie est là. Ah, ah ok. Maman. Non, maman, fille. Oh. Bienvenue. Bienvenue. Maman, tout est là. J'espère que tout va bien. Non, maman, ça va. Tu es sûre? Oui, maman, c'est Ebere, non? Qu'est-ce qui peut être de si mauvais? Ah, Ebere, qu'est-ce qu'il y a? La dernière fois que tu m'as appelé comme ça, c'était le même jour que cette sorcière m'avait cogné avec sa voiture. C'est parce qu'elle est revenue. Je l'ai vue aujourd'hui. Qu'est-ce que tu viens de dire? Dis-moi que tu plaisantes. Je ne suis pas en train de blaguer. J'ai vu Uju aujourd'hui quand je revenais de la rivière. Tu as vu Uju? Où est-ce que tu parles? Je vais récupérer mon téléphone. Non mais franchement, je ne crois pas. Je ne crois pas ce que tu dis. Ceci ne peut pas être vrai. Écoute, je te dis que c'est vrai. Ça ne peut pas être vrai. Regarde, je n'ai pas besoin de rentrer si la nuit. Courant, allons-y. On y va, dépêche-toi. Allons-y vite. On y va, allez. Non, mais dépêche-toi, non? Moi je pars vite. Pas si vite, allez, attends-moi s'il te plaît. Ebere, es-tu sûre de ce que tu viens de dire? Je pense qu'il y a une confusion quelque part. De quelle confusion parle-t-il? Je veux essayer de dire que je ne connais plus Obim ou Dieu. Regardez ce que cette fille m'a fait. C'est œil pour œil, dent pour dent. J'aurai ma part de vengeance, même si cela signifie que je la tue. Même si cela me conduirait à la mort. Comment as-tu su ce qui est dans ma tête? Regardez la mienne. Les filles, approchez-vous. On s'est bien entendu, vous avez écouté, non? Oui, oui. Ok. Si tu sais que tu as un cœur qui ne supporte pas, abandonne maintenant. Jamais. Je ne retourne pas. Je le ferai. Peut-être que tu ne comprends pas ce que tu es en train de dire. C'est à nous de te dire comment le village marche. Mais à propos de ce que j'ai entendu qu'ils sont de bonnes personnes. Attends, t'ai-je entendu dire de bonnes personnes? Voyons, tu n'es que de la catégorie B. Moi et mon ami, nous sommes de la catégorie A et nous sommes là depuis 4 mois. C'est ça. Crois-moi, ces gens ne sont pas de bonnes personnes. Ce ne sont pas de bons amis. Vous devez être prudente. Tu as raison. C'est tellement correct. Une autre chose, tu dois rester loin des hommes. Les filles de ces villages ne sourient pas. Les hommes de ce village sont effets. Mais je te l'ai dit, oh. Elles ne sourient pas du tout. Vous devez être prudente. Très très prudente. Vous êtes juste drôle. Et voilà. Bébé, la nourriture est prête. Garde ça, non, je dois d'abord finir ce que je fais. Eh, enlève tout ceci et donne-le-moi. Oh, Vicky, s'il te plaît, non? Je dois d'abord finir ça, non? Tu peux toutefois les garder, on va manger après. Bébé, c'est un tabou de rejeter la nourriture d'où je viens. Alors, vas-y, mange. Bébé, s'il te plaît, non? Madame, une correction. Et donc, tu n'as pas à dire l'anglais, tu dois parler français parce que là, tu traduis tout ce qu'elle dit en français et en anglais. Je vais manger. C'est magnifique. Alors, comment tu trouves la nourriture? Bien. Délicieuse. Merci. Ok. Alors, tu as très mal servi. Où se trouve de l'eau? Oh, mon Dieu, désolé, laisse-moi les prendre. Vous vous connaissez bien ce que Uju nous a fait. Elle a pris Azubike, mon amour. Quand j'ai essayé de l'affronter, elle a laissé une cicatrice sur ma main. Uju a parlé de mon problème au prêtre et au roi. À cause de cela, j'ai été humiliée dans le village entier. Et plus personne ne voulait m'épouser. Et lorsque je l'avais confrontée, elle m'a laissé une marque. C'est le même Oudou qui a dit à ma famille concernant ma relation amoureuse. Il les a tout dit concernant ma prostitution. Elle a eu l'audace d'amener mon père jusqu'à l'hôtel où j'étais. Comment puis-je même la pardonner? Cette Oudou a détruit mon mariage traditionnel après avoir raconté mon passé à Afam. Les filles, nous avons maintenant compris la raison pour laquelle nous devons faire ce qu'il nous faut. Avec ça, nous avons rassemblé nos cœurs. Je vous promets que je garderai les secrets pour toujours. Tout celui qui parlera de ce sujet devra mourir. Est-ce que ça va? Né! Est-ce que ça va? Ojo! Né! Depuis que j'étais enfant, je n'ai jamais vu de mes yeux ce qui s'est passé aujourd'hui. Né, pourquoi tu dis ça? Ah, tu es en train de me faire peur. Va à la cuisine et tu verras toi-même. Né. Né. Ta cuisine. Ah. Je sais qu'une mauvaise chose va se passer. Né, arrête de te faire décider. Rien ne s'est passé et il n'y a rien qui va se passer. C'est un mauvais présage. J'en connais un quand je le vois. Comment est-ce qu'un fou peut se salir et penser qu'il est propre? Qu'allons-nous faire maintenant? Mettre ça de côté. Nous chercherons une autre chose à manger. Demain, tu partiras au marché des Eke? Mais pourquoi tu demandes? Oui. S'il te plaît, ne pars pas. C'est Uche. Tu sais quoi, le problème est qu'elle avait peur qu'un mal puisse lui arriver. Peut-être que Dieu était en train de lui montrer quelque chose. Rien de mal n'est arrivé. Je suis toujours le même. Oudou. Ne me dis pas qu'il t'a donné ce genre de baiser. Oh. Bien sûr, c'est ça. Oh. Ça, c'est leur problème. Ça, c'est leur problème. Pas grave. Hey, mon ami. Je vais te demander quelque chose. Quoi? Te rappelles-tu de mon ami? Celui que tu m'avais raconté? Oui. Il m'a invité quelque part. Tu sais qu'il est de retour, non? Ah ah! Il va quitter Amacha. Pour te rendre visite. Oh, l'amour. Il doit sûrement attendre. Peux-tu m'accompagner? Je pense que tu vas pas me prendre beaucoup du temps. C'est promis. Ok, vas-y, parle-moi. Qu'est-ce que je vais me donner? Il va t'acheter la viande de la brousse. Tu sais que j'aime bien ça. Je te connais, non? Tu vois où je t'ai vu? Allons vite alors, toi. Mon cher, es-tu vraiment sûr de ce que tu es en train de faire? Je ne comprends pas. Je dis, nous avons parcouru tous ces chemins sur arriver ici à Machala, juste pour voir une femme, pour 30 minutes. Je suis surpris que tu parles comme ça. As-tu oublié que les femmes de là sont malades? Écoute-moi, mon ami. Je préfère venir très loin au lieu de me faire tuer. Est-ce que tu as compris? Alors, vivons, ne me conseille plus d'un danger. Bien, je crois que tu as raison. Attends, tu vas la voir. Pas de problème, je peux quand même attendre, rencontrer cette femme dont tu parles. Tu es ici, n'est-ce pas? Tu vas la voir. Maintenant, au lieu que nous avançons, toi tu vas attendre ici. Allons-y. Je ne refuse pas, toi vas-y. Tu es ici pour voir ton copain, non? Vas-y. Moi je vais t'attendre. Je n'aime pas ce que tu fais. Si tu savais que tu n'allais pas entrer, pourquoi tu es venue? Je devais t'accompagner pour voir ton petit ami, n'est-ce pas? Tu sais quoi? Je veux bien. Tu es ici pour voir ton petit ami, non? Ou tu oublies que c'est ton petit ami? Je crie que tu m'as amené ici juste pour t'accompagner. D'ailleurs, pas toi avons besoin de se voir. Est-ce que c'est ici que tu vas manger la viande? Oublie ça. Va voir ton petit ami. J'aime pas ça. Si tu te fâches trop, tu seras laide. Hein? Ok. Est-ce que c'est vrai? Oui, tu es jolie. Elle est venue. Ah. Oui. Comment vas-tu? Bon après-midi. Non, ça va. Assieds-toi là. Okay. Comment vas-tu? Ah, ok, c'est mon ami. Mais je suis heureux de te rencontrer. Je veux dire, tu es si belle, juste comme il le dit. Et aussi, il m'a parlé assez de toi. Oui. Je pense qu'il t'a parlé de bonnes choses. Oui, justement. Alors, qu'est-ce que je t'offre? De l'eau. De l'eau? De l'eau. Non, tu ne peux pas prendre de l'eau. De l'eau, ça ne suffit pas. Laisse-moi t'ajouter quelque chose. Barman. Il faut que tu prennes quelque chose. Barman. Qu'a-t-il trouvé? Ah, c'est vraiment cet endroit. Mais la fille que j'ai trouvée, elle a dit qu'elle est allée à l'école. Ah. Lui as-tu demandé quelle école? Mon Dieu. Pourquoi êtes-vous en train de rigoler? Vous ne remarquez pas ce qui se passe ici, hein? Mais quoi? Quand est-ce que Dieu est parti à l'école pour devenir gradué? Adako a touché un point. Parce que Oudou que nous connaissons nous toutes, ne t'y dis pas. Oui. Ok. Comme nous sommes déjà ici, allons juste chercher l'école et voir par nous-mêmes. Écoute Ebere, il serait mieux que tu sois sûre de ce que tu as vu. Bon, allons-y, allons-y, allons-y. Attends, non? Attends. Je t'avais dit de me prévenir avant que tu partes pour qu'on parte ensemble, non? Je suis désolée, c'est juste ce que je fais. Je dois rentrer à la maison pour manger. Ne t'inquiète pas, je dirai ici. On va d'abord manger et ensuite on ira à la maison. Hey! Ne t'inquiète pas, j'allais ici. Allons-y. Merci, nous allons manger. Oh. Allons-y. Mais pourquoi c'est là, hein? Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Uju, tu pensais que tu allais te cacher pour des bons, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle prétend vraiment nous connaître? Je ne comprends pas vraiment ce qui s'est passé ici. Qui êtes-vous les filles? Qu'est-ce que vous voulez? La ferme. Et toi, la ferme? Qui est-elle? Tais-toi, mon ami. S'il vous plaît, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Arrête de faire semblant, Uju. Arrête ça et ferme ta bouche. Écoute, tu vois tout ce que tu nous as fait. Tu vas les payer là aujourd'hui. Ici même, maintenant même. Je ne comprends pas. Qui est Uju? Hein? Allez, attaquons-la. Ah! Allez, toi, tu joues avec moi. Hein? Toi. Ah! 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 Aïe! Ah! Toi, tu verras. Tu verras. Allez. Ah! Aïe! 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 Mes yeux! Ah! 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 Oudou! Oudou! Suivons-les d'abord. Oudou! Uju, qu'est-ce qu'il y a? Uju? Où sont ces autres filles? Bien, je devais plutôt te demander. Ça veut dire qu'elle est venue avec quelqu'un d'autre? Bien, c'est très clair que l'autre fille l'attendait là-bas à l'extérieur. Merde! C'est quoi ça? C'est quoi ce comportement ça? Hein? Je voulais lui dire quelque chose de très important, hein? Mais elle est partie. Peut-être prochainement. La prochaine fois, tu pourras lui parler. Oh. La prochaine fois. S'il te plaît, mon cher, viens, allons-y, allons-y. Laisse-la partir, allons-y. Mon cher, allons-y. Merde! J'ai fait quelque chose de très spécial, hein? Comment est-ce que je lui dirais? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? David! Ma fille, oui. Tu peux maintenant rentrer chez toi. Je vais prendre soin d'elle. Je sais qu'il faut. Vas-y, rentre chez toi. Tu iras bien. Okay? Elle ira bien. Mais s'il te plaît, prends soin de toi. Lève-toi. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Allons, ce n'est pas ce qui était prévu. N'est-ce pas que c'est cette étude de filles qui a tout gâché? Ceci n'a pas encore pris fin. Je pense que nous devons voir un bon plat. Hey! Je ne crois plus vraiment à ma force, pas du tout. Que devons-nous faire alors? Je pense que j'ai un meilleur plan. Oui. Approchez-nous en parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Neka, il s'est allé les entaper. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce sont les Neka qui ont fait ça. Amenez-les à l'hôpital. Faites vite, mais qu'est-ce que vous faites là? Hein? Si vous voulez qu'on les amène à l'hôpital. Hein? Allons-y. S'il te plaît, calme-toi, tout ira mieux. Tu dors fort? Oui. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Est-ce qu'une chose pareille lui est déjà arrivée avant? Oui. Et je l'ai amenée partout où je connais. Mais ça n'a pas marché. Aucune solution à ces problèmes. Oui, c'est vraiment une situation très rare. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle expérimente un problème au niveau de l'âme. Tu veux dire quoi? Une âme dans deux corps. Elle a une jumelle. Oudou, hey. Oh mon Dieu. Aïe. Je suis heureuse que tu vas bien maintenant. Hey. Mon Dieu, sois loué. Sois loué. Mais jusqu'à quand ça va continuer? Je ne suis plus du tout un enfant. Oudou, ne t'en fais pas. J'ai la solution. Tu as la solution? Oui. Ah, Obi! Salut, bon après-midi. Je veux bien. Comment vas-tu? Tu as l'air si fraîche. Je vois, tu as changé. Mais, hey, hey, mais comment vas-tu? Uju? Je crois que c'est maintenant le bon moment pour sceller notre relation. Hein, je comprends pas. Quand puis-je venir voir ta famille? Voir mes parents? Pourquoi? Je te comprends pas toujours. Ok. Uju, je veux faire de toi ma femme. Obim, je me remets. Oui, vas-y. À quoi servent ces mains? Je veux dire, nous sommes des très très bons amis depuis l'enfance. Nous avions toujours été si proches avant même que je ne parte pour mes études. Maintenant, ça fait 4 ans après que j'ai fini mes études et je suis financièrement stable. Alors pourquoi peux-tu faire ça? Pourquoi peux-tu me faire ça? Obim, il y a des choses que je dois d'abord régler avant de me marier. Ok? Je t'en prie. Officier, s'il te plaît, tu dois faire quelque chose. Nous ne sommes plus en sécurité ici. S'il te plaît, tu dois faire quelque chose, officier. Oui. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Je viendrai avec elle au poste de police pour que vous puissiez la garder. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Et pourquoi cet étrange regard? Ma soeur, je crois que tu es la seule qui connaît ce qui s'est passé et que tu es là depuis un moment. Et qu'est-ce que cela veut dire exactement? Mais voyons, tu sais qu'on attaque les filles ici dans ce village si elles courent après les hommes. Tu le sais bien. Alors, dis-nous, as-tu ou ont-elles couru après leurs hommes? Je ne comprends pas. Tes gars, ou des... Bye. Bye. Oudou, Nam. Obina vient de partir. Qu'est-ce qu'il était venu faire? Vous deux, vous êtes amis depuis toujours. Laisse-le partir. Comme ça, tu vas donner la chance à une autre personne de venir. Mais c'est exactement pourquoi il est venu. Qu'est-ce que tu veux dire? Il veut me prendre pour épouse. Il t'a proposé? Oui, né. Hey! 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 Hey, Owa! Hey! Hey! Uju! Né! Pourquoi tu n'es pas contente? Né, je suis contente. Et j'aimerais bien. Je l'aime, mais... Uju, mais quoi? Mais quoi? Tu es resté dans ce village pendant 4 ans. Juste 2 bons gars qui sont venus demander ta main en mariage. Mais c'est ça le problème. Je suis ici, ça fait 4 ans maintenant. Tout simplement parce que tu m'as demandé de quitter la maison de mon père. Pour que tu guérisses ces troubles que j'ai. As-tu oublié qu'il me faut un mariage traditionnel ici, à cet endroit? Oh, Joe. Je connais la tradition. Qu'est-ce que tu essayes de me dire par là? Né, j'ai besoin de rentrer dans la maison de mon père pour que je rassemble les choses. Je ne peux pas fuir toute ma vie. Tu veux retourner là-bas là où ses filles sont. Ça ne sera pas pour toujours. Je dois rentrer et mettre fin à tout ça. Ou tu préfères détruire mon mariage? Sans effet. Mais, ça c'est la seule raison pour laquelle je dois rentrer là-bas et finir avec toutes ces histoires. Je ne veux pas qu'elle te fendit mal. Mais... Tu connais ta petite fille? Je sais. Tu sais de quoi je suis capable aussi, non? Elles ne me font pas peur. Alors laisse-moi partir. Bébé. Écoute, tu dois juste t'ouvrir à moi. Ouvre-toi à moi. Qu'est-tu en train de parler, ma chérie? Bébé, tu sais très bien ce qu'on vient de traverser. Ces quatre filles étaient trop méchantes envers toi. Tout le monde dit que tu as fait quelque chose de mal pour que ces filles nous menacent. Boliki, je ne connais aucune de ces filles. Je ne l'ai jamais rencontrée. Je suis assez grande, oui. Pourquoi tu ne me respectes pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Voyons, bébé, comment tu peux me parler ainsi? Je suis juste inquiète pour notre sécurité. Et en regardant les choses, ces filles reviendront vers nous. Dieu seul sait que je ne laisserai plus jamais ces filles me traiter de la sorte. Je suis déjà prête pour la revanche. Je ne peux pas rester calme tout en regardant les filles, les sales filles de ce village me tuer pour un homme que je ne connais pas. Dans ce cas, je me prépare pour ces combats. Je suis fermement derrière toi. Nous nous battrons ensemble. Oui. Pardon, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? S'il te plaît, la fille que tu viens d'emmener maintenant, où est-ce que tu l'as prise? Je crois qu'il n'y a aucun problème. Non, il n'y a pas de problème. C'est ma cousine. D'accord. Je l'ai pris partie du parc des Oudou. Au parc des Oudou? Ok, merci. Es-tu sûr que c'est elle que tu as vue? Ok, garde tes deux yeux sur elle. Je serai là. Attends. Neka, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Où l'a-t-elle vue? Elle l'a trouvée. Hein? Oui. Où ça? Où? Chez qui? Chez son père. Jusqu'à qu'il parle là devant. Allons-y. Attends. S'il te plaît, allons-y. Allons-y. Ada, es-tu vraiment sûre de ce que tu viens de me dire au téléphone? Les filles, attendez. Je pense que nous avons attaqué notre personne la dernière fois. Ada, qu'es-tu en train de dire? Nous avons toutes vu Uju et c'est elle. Vous n'avez pas remarqué qu'elle était confuse la dernière fois. Elle n'a même pas reconnu nos visages. Tu pensais que tu allais disparaître pour de bon, c'est ça? Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle prétend nous connaître? Je ne sais même pas ce qui se passe ici. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous cherchez, les filles? Tais-toi! Tais-toi! Toi, la ferme! Qui est-elle? La ferme, mon ami? S'il vous plaît, je ne sais pas qui et quoi vous êtes en train de faire. Arrête de faire semblant, Uju. Arrête ça et ferme ta bouche. Écoute, tu vois tout ce que tu nous as fait. Tu vas les payer là aujourd'hui. Ici même, maintenant même. Qu'est-ce qu'il y a? Qui est Uju? Ok. Là, tu fais semblant ou quoi? Allez, attaquons-la. Ah! Allez, toi, tu joues avec moi. Hein, toi. Attends, où est-ce que tu l'as vu réellement? J'ai vu Uju arriver dans la parcelle de son père avec un colis. J'ai demandé au montard d'où est-ce qu'il venait. Il m'a dit au parc d'Ozodo. Comment pouvez-vous expliquer ça, les filles? Es-tu vraiment sûre de ça? Bam. Mais... le parc des Ido, c'est là où les boss partent se détendre. Oui, et la maison de la mère de Uju est dans un autre village. Mais, attendez une minute. Et qui est cet Uju que nous avons attaqué? Attendez. Ah, vous les filles, vous confondez mes pensées. Non. Nous connaissons toutes qu'elle n'est pas jumelle. Oui. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis... Mais qu'est-ce qui nous met en confusion comme ça? Je suis confuse comme toi. Tu comprends? Mais n'est-ce pas que c'est toi qui nous as donné cette nouvelle? N'est-ce pas que c'est toi? C'est ce que je suis en train de dire. Oh. C'est ce que je dis. Mais... qu'est-ce que tu fais ici? Je suis d'ailleurs en colère que tu ne m'aies pas dit que tu vas quitter. Je suis désolée. Mais tu sais que ça c'est ma croix et je ne peux pas continuer à attendre. Nema m'a parlé de l'intention d'Obina, raison pour laquelle je suis là. Tu connais bien toute l'histoire et si je ne finissais pas avec ces problèmes maintenant, elles vont détruire mon mariage, tu connais bien ces filles. Raison pour laquelle je suis là. Je ne peux pas laisser des filles stupides combattre mon ami. Nous allons nous battre ensemble. Sois la bienvenue. Merci. Permets-moi de porter ton sac. Je pense que tu vas bien. Okay. Je vais aller voir s'il y a à manger. Hey, si c'est comme ça, rentre tout de suite. Mais je vais voir ce qu'il y a à manger, non? J'ai faim. C'est quoi, Tanti? C'est quoi ton problème? Ce n'est pas mon problème, moi j'ai faim. Laisse-moi entrer. Ok, pas de problème. Tu as regardé devant toi? J'ai bien vu, c'est pas un problème, on y va. Hey! Enfin, vous êtes livrés entre nous mêmes. Oui. Neka. Oma, Ebelecha, qu'est-ce que vous voulez de moi à cette heure? Quoi de bon nous pouvons vouloir pour toi, si ce n'est que te mettre où tu mérites. Et vous pensez que j'appartiens d'où? Le même endroit où sont tes parents. Hein? Tu m'as bien entendu. Hein? Regardez-moi cela. Tu as dit? Vous me connaissez toutes bien. Vous ne serez pas égales. À moi. Vous croyez que j'ai changé? Regarde, tu ne verras rien. Tu ne quitteras pas cet endroit vivant. À la ferme! Si tu oses parler encore, je t'enverrai au même endroit. Regarde! Toi, vous blaguez avec moi. Attends, ici. Allez, non. Allez, ouvre-moi ta bouche. Ouvre-moi ça. Ouvre-moi cette bouche. Vous êtes des imbéciles. Vous voulez me déranger inutilement. Ouvre-moi cette bouche. Je vais vous faire manger une tonne aujourd'hui. Vous allez le manger. Quand vous vous rassemblez pour me chercher des problèmes, vous vous êtes posé des questions. Si vous serez égal à moi, je vous ai dit que je veux vous taper et je veux le faire encore et encore. Vous allez manger aujourd'hui, vous allez manger du sol. C'est ça votre nourriture. Vous allez en manger, je vais en finir avec vous aujourd'hui. Prochainement, tu ne vas plus ouvrir ta bouche. Attends, ouvre-moi aujourd'hui. Je veux vous taper. Vous allez le regretter. Allez fermer mais là, qu'est-ce que je veux dire? Vous allez les regretter aujourd'hui. Vous m'avez cherché et vous m'avez trouvé aujourd'hui. Vous allez le voir. Mon cher, devine qui je viens de rencontrer. Qui? Ton bébé, Obi. Ce n'est pas vrai. Elle est loin d'ici. Es-tu en train d'essayer de dire que je ne la connais pas assez? Je sais là où tu viens en venir. Mon cher, ne me fais pas paraître stupide. Comme tu doutes de moi, tu peux aller vérifier de toi-même. Je crois qu'elle s'est rendue à la rivière. Vraiment? Oui. Ah, attends une minute. Amène-moi, montre-moi là où elle est. Attends. Uju? Je t'ai demandé de m'attendre là-bas. Qu'est-ce que tu habillée comme ça? Mais vous là, vous recommencez encore. Vous recommencez encore. Mais que veut dire tout ceci, non? Pourquoi tu réagis comme ça? Je ne te connais pas et je n'ai même pas besoin de te connaître. Je dois partir, je t'avertis. Si tu oses encore m'appeler, tu verras ma réaction, tu les verras. Uju, ça veut dire quoi ça, non? Vous encore? Je vous ai dit que je ne vous connais pas. Toi encore, tu prétends être partout. Si ton travail est de se mêler dans les affaires d'autrui, aujourd'hui c'est un grand jour pour toi parce que je vais te faire couler le sang. Écoutez ce qu'elle dit, c'est ton frère qui va y passer. Hé, hey, tais-toi. Qui parle? Qui parle? Dites-moi ce que vous avez besoin parce que je suis prête maintenant pour vous battre. Mais allez-y, non? Pourquoi vous restez encore calme? Ne restez pas calme. Allez-y! Allez-y, je suis là, je suis prête maintenant pour me battre avec vous, allez-y! Pourquoi vous restez calme? Debbie! Qu'est-ce que tu fais ici? Calme-toi. Attends. Tu veux me battre? Qu'est-ce que tu fais ici à cet instant? Debbie. Écoute, je ne crois pas que ce soit Debbie. Es-tu sûre? Regarde là, elle est un peu différente. Elle agit de manière étrange. Calme-toi. Ok, Debbie. S'il te plaît. Calme-toi. Ok? S'il te plaît. Nous ne sommes pas mauvais. D'accord. Tu n'as pas à être agressive, d'accord? S'il te plaît. Approchez, non? C'est juste un bâton. Aujourd'hui, c'est votre jour de chance. Merci de gagner, les filles. Allons-y. Regardez celle qui parle de chance. Venez, non? Tu as l'air jamais revenu. Vous êtes revenu pour ne rien faire. Malade. N'importe quoi. Attends. Je voudrais que tu rencontres une personne. Et lorsque tu l'auras rencontrée, tu sauras pourquoi ces filles t'agressent. Qui peut être cette personne? T'inquiète, lorsque tu la verras, tu sauras. Je peux voir, je ne suis plus calme dans ce village. Allons-y. Lorsque tu vas la rencontrer, tu connaîtras la personne. Ok, tu peux partir, je suis derrière toi. Non, allons-y. Peut-être que ces filles vont revenir. Non, non, je te suis. Vas-y, je te suis. Ok. D'où viens-tu? As-tu amené le... C'est bon. Je crois que ça t'a plu. Oui, tu sais, j'aime manger les foufous. Pourquoi sommes-nous identiques? Je n'ai pas une réponse à te donner. Mais qui es-tu? C'est à moi de te poser cette question. Qui es-tu aussi? Les filles. Ce n'est pas ce de quoi on doit parler maintenant. Ce de quoi nous devons parler, c'est votre rancune. Comment as-tu mis ces filles dans cette position? Qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis juste retrouvée dans un problème que je ne connais même pas. C'est une longue histoire, mais je vais l'abréger. Neka, Masinachi, Baramaka et Adako étions deux amis, et d'ailleurs de meilleurs amis. Famille, jusqu'au jour où les démons nous ont visités. Allons-y. Où allons-nous comme ça? Pourquoi tu es inquiète? Quand on arrivera chez Chika, tu les sauras. Hé! Attends! De quel Chika parles-tu? Je ne pense pas que c'est celui que je connais. Oh. Hein? Ça, c'est ce que tu veux que je commence aussi à faire. Hein? Toi et moi savons que Chika est prostituée. Alors quelle est cette affaire? Qu'elle peut vraiment nous connecter avec les hommes? Écoute, moi, je veux l'argent. Si tu ne veux pas l'argent, tu peux retourner. Hein? Oh, moi, je ne suis pas intéressée. C'est ton problème. Sinon, couvre-moi à la maison comme on me demandera si j'y suis. J'y vais. Hein, attends. Quand vas-tu rentrer? Demain matin. Ebelecha. Désolée, oh. Ebelecha. Hey! Hein? Ok, oh. Ebene continue à mentir qu'elle venait chez moi à la maison alors qu'elle faisait la prostitution avec Chika. Mais un jour, pour sauver mon honneur, je t'ai allé dire à son père. Oh, maintenant je comprends d'où vient sa colère. Alors qu'est-ce qui est arrivé dans les groupes de ces filles? Ils étaient tous dans la même situation car aucune d'elles ne réfléchit bien. Je me souviens de leur avoir parlé pour les conseiller, leur dire que ce qu'ils faisaient est mauvais. Mais mon conseil n'était pas bien compris. Alors, tu t'étais décidée de se séparer avec elles? Je n'ai pas voulu m'associer à leur nouveau style de vie. J'essayais d'interdire Oma parce qu'elle partait voir le grand prêtre. Elle n'avait pas voulu m'entendre en disant que j'étais jalouse de son bonheur. Depuis ces jours, je suis prise comme leur ennemie. C'est vraiment une longue histoire. Ça finit toujours ainsi, l'amitié entre eux. Oui. Alors, as-tu essayé de se réconcilier avec eux? Rien ne peut se passer entre elles. Et pour Neka, Uju l'a empêché d'utiliser son charme sur Azubike. C'est là. Azubike nous a rencontrés, moi et Neka, rentrant de l'école. Premièrement, il m'avait menti. Mais Neka l'avait tellement maltraitée qu'elle ne l'avait pas donné l'intention qu'elle voulait. Ce qu'elle avait pu faire, c'était utiliser les charmes et lui jeter un mauvais sort. J'avais essayé de lui dire que ce n'était pas du tout bien. Jusqu'à ce que ces mauvais sorts étaient sortis dans les yeux d'Azubike. Et cela s'était passé 2 jours avant leur mariage coutumier. Donc elle pensait que c'est toi qui étais derrière ces problèmes. Oui, c'est juste ça. Alors, quel que soit le conseil, ces filles ne veulent que s'évenger. Qu'elles reviennent, elles vont regretter. Oui, je vous dis la vérité. Et pour ces filles qui m'ont frappée bizarrement, pour quelque chose que je ne connais même pas, je suis prête de les battre. Debbie, tu es sûre que tu veux le faire? Oui, je suis prête. J'ai un meilleur plan. Comme d'habitude. Crois-moi. Comme d'habitude. Crois-moi. Crois-moi. Nous en finirons avec elle. Ah, bébé, bienvenue. Ma chérie, j'ai un deal pour toi. Je ne comprends pas. Quel genre de deal que tu peux me donner? Tu n'as fait que 3 mois ici dans ce village. Et donc, je ne comprends pas. Souviens-toi des filles qui nous ont menacées la fois dernière. Pour toi? Oui. Hey, jeune fille. Bébé, je suis dedans. Dis-moi, je sais ce que je dois faire. Tu sais quoi? Je ne peux abandonner. Alors, comment nous procédons déjà? C'est bon, allons-y à l'intérieur. D'accord, allons-y, tu vas bien m'expliquer, allons-y. Tu as bien parlé. C'est la première et la dernière fois que tu fais comme cela, ok? Tu dois prendre une bonne leçon de ta vie. Alors Neka, tu dis qu'ils ont frappé Ada et Oma? Hein? J'arrive. Commence par me donner ce téléphone. Donne-moi ce téléphone. Maintenant que tu sais que Adako et Oma, elles seraient juste de la paix partout où elles sont. Permets-moi de te demander, qu'est-ce que nous allons faire comme nous sommes là? Non, non, as-tu oublié? C'est un docteur qui viendra leur soigner. Les Amaka, qu'est-ce que nous allons faire, Lélé? Oudou, tu sais qu'on est amis. Hein? Tu as dit? Tu dis? Rien ne serait passé! Nous sommes maintenant des ennemis. Et je vais faire tout ce qui est à mon pouvoir pour tuer mes ennemis et les éliminer. Bam! Allez, on y va! Désolée. 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 S'il te plaît, fais doucement. Désolée. 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 C'est bon. Pardon, Amanda. Désolée, hein? Ça va aller. C'est la seule façon pour moi de te traiter. Que veux-tu encore? Désolée. Désolée, laisse-moi bouger ton corps. Reste juste calme, ne bouge pas ton corps. Je vais juste bouger ton corps. Calme-toi. Ah, calme-toi, non. Ne bouge pas ton corps. Reste juste calme. Je ne veux pas te faire mal. Juste calme-toi. Je vais te masser. Hein? T'inquiète, ne bouge pas ton corps. Relaxe-toi. Désolée. Hey, calme-toi, désolé, pardonne-moi, hein? Relaxe-toi, ça va aller. T'inquiète, cette fille, personnellement, je vais la tuer. T'inquiète, n'importe quoi, idiote. Hey. Désolé, hein? Désolé, désolé. Désolé, désolé, je suis juste forte, ça va aller. Désolé, ça va aller. Oui. Ok. Oui. Elle est là comme nous sommes en vie. Ok, Né. Prends bien soin de toi. Protège-toi et sois forte. Où est-elle? C'est à propos du boss. Oh, ok. Oui. Mangeons. Pourquoi tu ne manges pas? Je suis inquiète à cause de Debbie. Ses filles vont l'attaquer en revenant de l'école. Tu as raison. Et que ferons-nous maintenant? Qu'on parte là-bas pour aller s'assurer si elle est sauve avec sa copine. Allons-y maintenant. Ok. Debbie. Ah, vous étiez là il y a longtemps? Pendant quelques heures. C'est vraiment sérieuse. Vous êtes sérieuse? Pourquoi non? Comment allez-vous? Cela voudrait dire que vous ne connaissez pas ces filles. Ils ne se fatiguent jamais de se battre. Même si Uju se bat régulièrement avec elles, elles ne vont pas laisser tomber. Sachant que tu es dans les environs, ils vont faire tout leur possible pour te faire du mal et ta copine. Et tu ne parles même pas de ta propre protection. Ça, c'est pas un problème. Elles savent qu'elles ne peuvent pas m'égaler par la force. Voilà pourquoi elles m'attaquent en groupe. Vraiment? Oui. Tous nous revenons aussi de l'école. Ma bouche est fermée. Allons dans ma maison. J'ai une surprise pour vous. Surprise? Oui. Vous allez aimer. C'est moi, non, Uju? Sérieux? Vous êtes drôle. Tu vois, comme ça, on rentre ensemble. Ça va. Arrête avec ma balle. Je suis assurée. Je pétille. Non, mais franchement, c'est vraiment bizarre. Avec des bonnes choses. Ouais, c'est vraiment, vraiment, c'est en deux fois. Faire tous les jours. Franchement. Vraiment. Je vois même pas la différence de poids. Oh, toi, attends un peu. Je vais vous séparer. Attends, lâche-la. Allons-y, mesdames. D'accord, allons-y. Les filles, attendez. Vous voulez dire que vous... Pourquoi tu nous poses cette question stupide? Neka, ce n'est pas une stupide question qu'elle a posée. Il y a 4 ans passés, cette même Uju s'en est prise à nous toutes et nous a laissé avec plusieurs cicatrices. Maintenant, la même chose se produit. Regarde mon cou. Regarde ma figure. Regarde bien. Des blessures, ce sont le résultat de ce qu'on a eu comme leçon. J'en ai marre de tous ces combats inutiles. C'est assez. Ok. Voici le plan. Celle-là qu'on appelle Debbie, c'était notre première cible. Elle va mourir demain. Toi, tu joues comme ça. Pourquoi? C'est discourage pour les filles. En tout cas, je vais pas découvrir. Je vais pas romantique. C'est du vrai. Tu es très vraie provocatrice. Ouais, je t'assure. Oh, elle, c'est ma grand-mère. Tu es le bien. Merci, maman. Bon après-midi. Hey, ma fille. Maman. Ah. Hey. 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 Oh. Oh. Oh Seigneur mon Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit loué. Elles sont vraiment pareilles. Oh, sois la bienvenue. Sois la bienvenue. S'il vous plaît, venez vous asseoir. Viens, tu vas t'asseoir. Ah. Mais toi, ma fille, qui sont tes parents? Mes parents sont Docteur et Madame Brigitte. En fait, ils habitent à Lagos. J'aimerais voir tes parents. Il y a une chose que ma fille m'a dit le jour de votre naissance. Je veux savoir si c'est vrai. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je veux voir tes parents. Maman, mes parents vont bientôt vous rejoindre. Toutefois, qu'est-ce que je peux vous offrir? Je ne veux rien, juste que je vois ta mère. Ok, alors toi? Peut-être quelque chose à boire. Je vais avoir un... D'accord, je reviens. Comment vas-tu? Je vais bien, maman. Tu vas bien? Oui, maman. Ah, mon Dieu. Es-tu Brigitte Odibo? Oui, maman. C'est le nom de mon père. Oui, Chinimbo était ma collègue dans la polytechnique. Elle était très naïve quand on était encore jeune. Mais à la fin de notre programme, elle était engrossée. Mais les collègues qui étaient responsables de cette grossesse l'avaient niée. Elle ne savait quoi faire. Alors elle avait disparu de la maison. Pendant 3 ans, elle était introuvable. Elle est revenue un jour avec elle. Et c'est comme ça que je l'avais vue. Parfois, elle me disait qu'elle devrait rester dans la maison de mon père. Mais elle m'avait dit qu'elle avait laissé ses jumelles quelque part. Elle m'a donné leur nom et les liens. Après, elle est partie. Après 3 ans de mariage, je n'avais aucun enfant. J'ai convaincu mon mari que je devais avorter. Et quand je suis partie, le Messie m'a dit qu'il avait perdu l'une des jumelles. Et on a adopté l'une. Et elle est l'autre jumelle. Elle me l'a ramenée et elle m'a dit que une certaine Brigitte Odubé, sa collègue de classe, c'est où elle a laissé l'autre jumelle. C'est Debbie. Des coups de balle? Quoi? Ces filles sont devenues autre chose. Cela veut dire qu'elles ne sont plus en sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé? Si je n'avais pas voyagé, j'allais aussi subir ces coups. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont tiré Billy qui est dans notre chambre. Ça, c'est pas bien. Eziné en fait partie. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici? Papa. Oui, je suis là. Il y a quelque chose que je vais vous cacher. Et que... qu'est-ce que ça peut bien être? Tu sais que tu peux toujours me parler. Mais toi, vas-y, parle-moi. Tu as toutes mes oreilles. Nous l'avons fait. Ouh, je suis tellement heureuse. D'ailleurs, Neka fait une chose dont on s'entendait le moins. Écoute, Uju verra ce que nous allons la faire. Elle verra. Nous allons la piétiner comme ça. Hey, arrêtez-vous là. Hey, pardon. Officier. Vous deux êtes sous arrestation. Officier, ce n'est pas moi, c'est Neka. Tu dis que c'est Neka, non? C'est Neka. Oui. Silence. Fermez vos bouches. Oh, ce n'est pas nous. Donne-moi tes mains. Oh, s'il vous plaît, c'est pas nous. C'est pas nous. Et toi? Je vous dis la vérité. Viens ici. Officier, c'est Neka. Je vous dis vrai, ce n'est que c'est pas nous, officier. Oh non, c'est pas nous. Vous avez le droit de garder silence. Car tout ce que vous dites ou faites peut être utilisé contre vous au nom de la loi. Allez, maintenant, allons-y. Allez-y. Avancez. Ne dites absolument rien, avancez juste. Maman, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu vas? Maman, je pars chez Tantine Philo. Je vais commencer à revenir chaque matin. Neka, maman, Philo est dans un autre village pour ses affaires. Maman, je sais, je vais juste l'attendre quelque part. Là, je ne veux pas rester ici, maman. Je vais l'attendre quelque part, maman. Mais pas si vite, quand même. Hé, maman! Arrête-toi, arrête! Maman, je n'ai rien fait, crois-moi, je n'ai rien fait. Sauve-moi, maman, sauve-moi, je n'ai rien fait. Qu'est-ce que ma fille a fait? Maman! Écoutez, madame, ne vous inquiétez pas pour ça. On va aller à la station de la police et va tout expliquer. Attendez, maman, ma fille n'a rien fait du tout. Neka, qu'est-ce que tu as fait? Moi, sauve-moi, s'il te plaît. Je n'ai rien fait, maman. Je n'ai rien fait. Officier, vous avez entendu ma fille. Il n'a rien fait du tout, s'il te plaît. Officier, attendez. Oh, maman, je n'ai rien fait. Je ne suis pas une criminelle. Je ne suis pas une criminelle. Explique-lui, non? Avance, avance, avance. Officier, écoute. Elle va nous expliquer la station de la police. Pour le moment, avançons. Eh, officier. Viens nous trouver au poste de police. Attendez, ma fille n'a rien fait du tout. Officier. Non. Avance. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il y a? Avancez. Je n'ai pas l'état pour ça. Officier n'a rien fait, dit officier. Officier, je vous en supplie. Je vous en supplie, officier. Oh, c'est bon. If they come, give them war.